ça concerne principalement la session budgétaire. Pour nous, c'est notre saison de soumettre aux députés cette loi de finances initiale en 2018, qui a été précédée déjà d'un débat d'orientation budgétaire au cours de quel débat nous avons eu à définir les grandes bases, les grandes orientations qui sont bien axées sur les priorités, notamment lesquelles sont en même temps les priorités du président de la République, consistant à améliorer les conditions de vie de la population. C'est une très très bonne chose. Et nous comptons respecter bien sûr le délai constitutionnel de déposition de cette loi de finances de 15 mois de temps de chaque année. C'est ce que nous avons. Cette deuxième session, monsieur le ministre, représente quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette deuxième? Écoutez, l'idée est que nous discutions de fond les différents. Aspect de la loi de finances. Il sera mis à disposition des honorables députés qui vont prendre le temps pour déposer. Il y aura des intercommissions, il y aura des discussions aussi en plénière pour que chacun puisse comprendre les différentes recettes qui seront prélevées au cours de l'année prochaine et les dépenses qui seront associées à ces recettes. Merci.